m'appelle Mélissa, j'ai 21 ans et je suis en spécialité chimie des formulations. J'ai fait un DUT chimie, analyse et synthèse à Lyon. Donc parce que c'est une école qui propose un parcours très spécialisé et donc qui proposait la formation que je souhaitais intégrer. Que je savais que je voulais travailler dans la cosmétique, même si j'avais pas forcément d'expérience dans le domaine. Et aussi parce que toutes les applications, donc adhésifs, peintures, c'est ce qu'on trouve dans la vie courante, donc je trouvais ça intéressant. Et quand un ancien élève de l'ITEC est venu présenter ce qu'il faisait actuellement, donc il est directeur de chez Chanel en Russie, et donc le message qu'il a voulu nous faire passer, c'était que dans notre carrière, il fallait vraiment tenter des nouvelles choses et essayer, même si ça marchait pas forcément. Donc j'ai fait un stage de 10 semaines dans un laboratoire universitaire à Galway, donc en Irlande, et j'ai aidé en fait un étudiant qui était en train de préparer sa thèse, donc tout ce qui est manipulation, c'était plutôt dans le domaine pharmaceutique. Donc déjà, j'aimerais travailler dans plutôt une PME sous-traitant cosmétique parce que ça permet de voir plusieurs formulations galéniques, donc tout ce qui est soins, mais à la fois hygiène et maquillage. Et donc pourquoi pas aussi plus tard faire une VIE à l'international pour une entreprise française. Bien, merci Mélissa. De rien.